Hey, mon dieu, regardez, on dirait Oragon et Metal Gear Solid. Mon dieu. Je vais me dire quelque chose. Il est très possible que je l'ai appartenu à un moment donné. Je ne suis pas certain. Je vais rien dire. Non, pas du tout. Un peu trop d'overscan, n'est-ce pas? Ah oui. For the third installment, the developers at MediaVision create an entire western frontier world full of bandits and guns, as well as some more magical creatures. Donc c'est un RPG, juste pour vous aviser. Si vous ne saviez pas. Donc en tout cas, donc bon, on est donc là pour le BCS démo numéro 9, parce que je crois, qui sera sur, je me rappelle plus trop du nom, mais bon. Donc juste pour vous aviser, vous allez probablement voir, vous avez probablement déjà vu. La vidéo est en 60 fps, donc c'est parce que j'utilise mon DVD recorder. Si vous en rappelez, j'avais fait un BC spécial où est-ce que j'avais obtenu les câbles components du PSP. Je parlais un peu de ça vite fait avant de commencer. Et eh bien, j'avais fait un BC spécial où est-ce que j'avais dit peut-être que je pourrais utiliser le DVD player, tu sais, tout ça pour enregistrer mes enregistrer absolument tout, mais bien ça n'avait pas trop fonctionné à cause du type de DVD, tu sais, tout ça. Cependant, eh bien, après avoir regardé le DVD player que j'ai, en fait, output en component, S-video, composite et ARF. Et en input, juste, on peut juste brancher un câble ARF, composite et S-video. On n'a pas donc component. C'est très très dommage. Qu'est-ce que la raison pourquoi je l'ai pris? C'est bien, c'est parce que tout le contenu 480p peut être upscalé en 480p. Et vu que l'opage ne peut pas capturer en 60 fps avec le contenu en 480p, tout ce qui est 480p peut, en fait, le poche peut capturer en 60 fps. Donc, ça veut dire que vous allez avoir à partir de maintenant tout contenu qui est composite maximum ou S-video maximum et non component. Vous allez avoir du 60 fps. Cependant, je ne peux pas utiliser, je ne crois pas que je peux utiliser l'output digital optique, j'imagine. Vu que j'utilise le DVD player, je crois que pour upscaler absolument tout et tout ça, je crois qu'il y a un peu d'input lag, donc j'imagine que c'est ça, j'imagine un peu de délai. Donc si j'essaierais de capturer l'audio digital output, l'audio task link, je crois. Donc en tout cas, je crois que l'audio ne serait pas incroyablement synchronisé. Donc j'ai utilisé juste les câbles mono, stéréo. Donc c'est tout simple que ça. En même temps, pour ce genre de démo, je ne crois pas que c'est si grave que ça. Donc, en même temps aussi, de toute façon, je crois qu'il y a un risque que l'audio devienne complètement pourri. Ça devait déjà arriver Je crois que ça devait déjà arrivé dans un BCS démo, mais je ne suis pas certain. Ou c'est une autre vidéo. Je crois que c'est les BCS live sur Final Fantasy VII et Medal of Honor Underground, mais bon. Donc, et voilà, donc, tiens. Donc, on a quelques petits trailers ici, là. Donc, Behind the Scenes. Donc, Wild Arms 3, je l'ai jamais appartenu. Moi qui croyais. Online gaming, d'accord. Est-ce qu'on voit Nintendo? Est-ce que ça l'a dit Nintendo? Ah, Madden. D'accord, et je ne sais pas trop ce que c'est que ça. Et d'accord. Donc sortons. Donc je me rappelle même plus qu'est-ce que c'est que le nom de jeu. Ça m'étonne que c'est un jeu Disney. Sans même à dire. Parce que j'ai juste regardé quel jeu que c'était parce que je me rappelais plus du nom. Je vais faire absolument celui-ci en tant qu'avant-dernier BCS démo. Donc, bulletin, on peut trouver quelques petites choses intéressantes. Je crois qu'on peut trouver des chandails et tout ça. On va bien voir, vite fait. On va bien voir. Donc, oui, c'est bien ça. C'est l'avant-dernier BCS démo. C'est quand même à dire. Donc, voyons voir. Bulletin. PlayStation.com. Quoi? Eh oui. PlayStation.com. D'accord. Quoi? Bulletin, sous le menu. D'accord. R1, R2. D'accord. R1, R2, carré. D'accord. PlayStation, fine print. D'accord. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Crédit. D'accord. PlayStation calendar. D'accord, calendrier. Non, ça fonctionne pas. Voyons voir. R1, R2 et carré. Bulletin, submenu. Main screen. Ça n'a pas l'air trop de fonctionner. Peut-être qu'il faut laisser appuyer, mais bon. On va bien voir, je m'en donne ici. Bon, ça ne fonctionne pas. J'imagine que j'ai fait quelque chose d'anormal, j'imagine, mais bon. Que je n'étais pas supposé si je voulais absolument le faire, mais bon. Donc, quelque chose aussi qui est bon, c'est qu'il n'y a plus de coupure de résolution. Vu que, ainsi, c'est quelque chose de complètement incroyable, déjà.
Je peux enregistrer directement tout le screen lorsque j'allume, lorsque je démarre le PlayStation 2. Donc absolument tout fonctionne. Vu que c'est pas le poche qui upscale et qui change la résolution. Vu que c'est le DVD Recorder fait du 480p. Quelque chose qui m'intéresserait vraiment, parce que j'avais déjà essayé ce DVD Recorder en tant que switcher sur une télévision cathodique. J'ai remarqué que le Nintendo Entertainment System, parce que j'avais joué à Castlevania 3 dernièrement, j'ai vu que ça upscale en 480i. Je me demande si je mets le mode en 480p, est-ce que le 240p du Nintendo, est-ce qu'il va se upscaler en 480p? En tout cas, je viens vous dire quelque chose d'intéressant sur ça. Qu'il upscale ou pas, qu'il upscale pas, n'est pas si grave que ça. Je peux faire du 60 fps sur tous les jeux Nintendo maintenant avec ça. Avec un peu d'input lag, bien sûr, j'imagine. Mais bon, c'est quand même assez intéressant. The Vault, on va aller directement bientôt. Download Station, on va aller voir ce qui se trouve à Download Station. Donc, c'est quand même à dire. Donc, c'est quand même complètement excellent. Donc, à partir de maintenant, tout ce qui est composite S-Video maximum, j'enregistre avec ça. Je vais tout enregistrer avec ça, comme ça, je vais obtenir 60 FPS. C'est parfait, c'est parfait. Donc, voyons voir. D'accord. 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 J'ai juste trois sauvegardes. Donc, allons dans les jeux. Donc, allons-y. Pour cet avant-dernier BCS démo. BCS démo. Donc, The Vault. Donc, allons-y. Donc, l'interface, j'aime bien cette interface. Vu que c'est la même interface qu'ils avaient utilisée pour le démo de Ratchet & Clank 1. Voyons voir Downforce, c'est quoi, qu'est-ce que c'était que ça? Need for Speed, Hot Pursuit 2. D'accord. Summoner 2. The Mark of Cleese, je me rappelle un peu de ce jeu, je crois. Drakan, donc je croyais pour un bout c'était ça, mais ce n'était pas ça. Robo, Alchemic Drive, c'est ça. Disney Treasure Planet, donc apparemment c'est ça. Apparemment c'était le jeu que je me souviens, où est-ce que tout était orange et on pouvait voler ou quelque chose de genre. On va venir voir. Superman. Kelly Skater Pro Surfer. Kingdom Hearts. Jamais joué, je viens de dire. Peut-être que oui. Peut-être que j'ai juste joué au démo. Un démo. Spyro. Jamais joué non plus, je crois. En tout cas, si j'ai joué, ça fait très très longtemps. Cependant, je sais que j'ai déjà joué à ça. Ça, je suis pas mal sûr. Ça me rappelle des souvenirs. Celui-ci aussi. Celui-là, peut-être. Mais je suis pas certain. Je sais que celui-là, j'y ai joué. Voyons voir. À part, je me suis trompé. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc, voyons voir. Donc, ce que vous avez vu en blanc, lorsque l'écran chargeait, c'est le genre de résolution. Le genre de coupure de résolution. Je crois que c'est ça. Quoi? Dis-moi pas que c'est juste un démo. Non. Non! Eh bien, pour le BCS démo, tout est complètement détruit pour ce jeu. Oh mon dieu. Mais je me rappelle, espèce de quoi, mais c'est supposé être The Vault, c'est supposé d'y jouer, non? Mais qu'est-ce qui se passe à part ces carrés? Ah, c'était carré aussi. Sinon, eh bien, on va juste jouer à un autre jeu, c'est simple que ça. On va jouer à Kingdom Hearts, je ne sais pas. On va bien voir. C'est tout simple que ça. Espèce de... Sinon, on va juste regarder la vidéo et on va juste jouer à Kingdom Hearts. Je ne sais pas. On peut faire ça. Espèce de... Au moins, on va avoir vu ça, j'imagine. Ce sera mieux que rien. Dommage. On peut pas appuyer sur carré. Quoi? Espèce de... Donc, est-ce qu'on peut jouer au moins ces jeux-là? Ou est-ce qu'on... Ce sont juste des vidéos. Espèce de... Je vais jouer à ce jeu-là. Je voulais y jouer, mais je peux pas. C'est quel... si, celui-là. Je m'en rappelle plus. Donc, en tout cas, on va juste regarder ça pour le moment, j'imagine. Et on va jouer à Kingdom Hearts. Quelque chose du genre. Je mettrai peut-être un petit bonus vers la fin, ou la vidéo, je ne sais trop quoi. Ou je ne sais trop quoi avec où est-ce que je jouerai à ce jeu. Je sais pas quel CD que c'est. Peut-être pas. Mais je crois que c'est ça, je crois. Peut-être pas. Mais je crois bien que oui. Je suis pas mal sûr. Je me rappelle pas trop trop. Je me rappelle vraiment pas. Je crois que c'est ça. Je crois, mais je ne suis pas certain. Au moins, je vais avoir vu, au moins. Je crois que c'est ça, mais je ne suis, comme j'ai dit, je ne suis pas certain. Vraiment pas certain. Ça se pourrait vraiment que ce soit Drakan aussi.
Je me rappelle un peu de l'environnement. L'environnement, je crois qu'on était sur un champ de sol brun. Il y avait quelque chose du genre d'aile ou quelque chose du genre. Et on pouvait... en fait, tout était orange autour de nous. Et on devait récupérer certaines choses dans les airs. Ça se pourrait bien que ce soit ça. C'est pas très bien. Je ne suis pas certain. Je me rappelle très bien, j'avais joué ça. Je jouais ça avec Maximo. Je me souviens. C'est pour ça que je voulais faire ce BCS démo. Parce que je vois un peu. Je m'ai trompé de démo. Eh bien, en même temps, j'ai 50 CD de démo, donc déjà ça fait comme environ 10 que je cherche, mais bon. Je pense qu'on va juste laisser faire. Ou on pourrait jouer à Spyro. Je sais pas où ce soit Spyro. Non, c'est pas Spyro. Mais en fait, c'était quand même un peu plus réaliste. C'est très possible que ce soit Dragan. Très très possible. Non, mais non! Je me rappelle, le personnage avait des ailes. Je crois que le personnage avait des ailes et on pouvait voler. Je me rappelle absolument aucunement de ce que c'était. Je dois bien dire. Je crois que j'ai un moment donné que je suis écrit absolument tout. C'est peut-être ça. Ou de, est-ce qu'on aurait joué à The Mark of Three? Donc, que diriez-vous? Est-ce qu'on aurait joué à Kingdom Hearts, que je n'ai jamais joué, je crois? Ou est-ce qu'on aurait joué à The Mark of Three? Ça pourrait être intéressant, ça. Donc, Disney, est-ce qu'on prend Disney, vu que celui-là, non pas celui-là, mais vu que celui-là, celui-là ne fonctionne pas, tiens. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait prendre celui-là ou un autre? De Mark of Three. Donc, en fait, je n'avais pas prévu ça du tout, je dois bien dire. Donc, qu'est-ce qu'on devrait jouer? Mark of Three ou est-ce qu'on devrait jouer à Kingdom Hearts? Je ne sais même pas si c'est un trailer. On vient voir. Apparemment, c'est un trailer. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que The Vault, on peut pas jouer? Bon. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut pas jouer? Mais qu'est-ce qui se passe? On va revenir en arrière, voyons voir. C'est complètement étrange, The Vault. Behind the scene, cool move. Ça devrait fonctionner. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des trailers avec ça? Complètement stupide à mon avis. Il aurait juste séparé les trailers. Bon, j'imagine qu'on va jouer à... Je sais pas. On va jouer à ça. À part ça ne fonctionne pas, voyons voir. Ah, parfait, au moins ça fonctionne. Donc c'est ça, on va jouer donc à The Mark of Three. Et voilà, voilà. Pour ce BCS démo. Donc je n'avais absolument pas prévu ça. Je voulais jouer à l'autre jeu, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu! J'espère qu'il n'y aura pas l'écran de la mort qui tue tout, sinon je ferme le PlayStation 2 immédiatement, sinon. Parce que, espèce de... Bon, ça fonctionne. Donc, en même temps, je peux montrer un peu cette fonctionnalité. Regardez. On voit, en fait, en live, j'imagine, presque en live. En fait, pour moi, c'est... En ce moment, de ce que j'enregistre, c'est live. Vous pouvez voir un peu, genre, les coupures de résolution, je crois. Je ne suis pas certain. Et voilà, et voilà. Appuyons sur X. Donc, on doit juste attendre que ça soit chargé. Donc, et voilà, et voilà. Ouais, on va voir vite fait. Apparemment, il y a un petit problème avec mon micro. Je ne sais trop quoi. J'avais fait une BCS vidéo, je dois bien dire, et j'ai eu quelques petits problèmes avec mon micro, j'espère que mon micro n'est pas cassé ou quelque chose du genre. Là, ce que j'ai vu pour le BCS test que j'ai fait dernièrement, ça a l'air de fonctionner. En tant que BCS test, je parle du BCS test de Zone of the Enders. J'espère que vous l'avez vu, je dois bien dire. Parce que sinon, n'est-ce pas? Donc, voyons voir. Retournons à... ici, si ça fonctionne pas... Et j'en ai absolument aucune idée quoi faire. On va trouver un démo. C'est tout simple que ça. On va en trouver un et c'est sûr et certain. Allons-y, retournons sur ce démo aussi. Bon, pourvu qu'il n'y a pas l'écran de la mort qui tue, n'est-ce pas? Oui, on va. D'accord, allons-y. Bon, pourvu que ça ne nous ramène pas au menu PlayStation 2. Oui, on va. Je regarde la capture. Espèce de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben tant pis. On va changer le disque en live. Oh mon dieu. Tant pis, moi qui voulais jouer à ce jeu-là. Comme que le CD, c'est Kingdom Hearts. Donc c'était l'issue 61. Donc, et voilà, et voilà. On va changer. Donc je pourrais recommencer tout le BCS démo, mais bon. Je vais bien garder tout ce qu'on a là. Tout ce qu'on a fait. On pourrait jouer à Medal of Honor Frontline, je l'avais vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En tout cas, le démo de Medal of Honor Online, mon dieu. On pourrait essayer ça. Je crois que c'est... On va voir, regardons. Issue 62. Le logo Sly Cooper, c'est pour ça que je l'ai pris. Voyons voir.
Voyons voir, voyons voir. Ça a fonctionné. Donc, comique, maintenant, hein, il n'y a aucune coupure de résolution, donc je n'ai pas, je suis pas mal garanti de ne jamais perdre absolument rien. C'est quand même complètement excellent. Donc, ça résout, ça va résoudre beaucoup de problèmes techniques, n'est-ce pas? Ok, voilà. Donc, allez, charge. Espèce de... Bon. Laissons faire ça d'abord. Prenons-en un autre. Oh mon Dieu. Donc, quel autre CD que j'ai? Celui-là, un genre de joueur de hockey. Celui-là, j'en sais trop gros quoi. Qu'est-ce que c'est? On pourrait jouer à Zone of the Enders et Demo. On pourrait faire ça aussi. Je crois que ce serait probablement ça. Qu'est-ce que tu nous allons faire? Je dois bien te dire. J'ai eu ça tout à l'heure. Voyons voir. C'est un, hein, d'accord, oui, c'est quoi? C'est le jeu que j'avais joué l'autre fois dans le BCSD démo 3. Siphon Filter. On va jouer à ça. Quoi d'autre qu'il y a? Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est que ce jeu. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ici? 69. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ici, quoi? 70, 70. 71, je sais pas quoi. On aurait Todd, on dirait. Le Mario Bros. Mon Dieu. Bon. On va juste laisser faire ça. Devrais jouer un démo sur ma liste ici. Je ne sais trop quoi. Voyons voir. Dans les Jam Pack, peut-être. J'ai ouvert ça tout à l'heure. Soit ça, ou soit on va jouer directement à Zone of the Enders. Je crois que nous allons jouer à Zone of the Enders. Donc, je vais prendre le Jam Pack. Tiens, voyons. Voyons voir. Il devrait se trouver tout à fait tout vers la gauche. Allez, espèce de... Tout en arrière. Les jam packs sont tout à fait en arrière. Espèce de... Tiens. Voyons voir. C'est celle-là. Jam Pack Summer 2001. Ico. Red Faction. Zone of the Enders. On va essayer celle-là. On va essayer celui-là. Voyons voir. Il y a un genre de petit magazine. Oh mon Dieu, je vais pouvoir lire le magazine en même temps que je sais les démos. Donc, je suis intéressé par Zone of the Enders, tiens. Donc, finalement, on va aller à Zone of the Enders. À part c'est quelque chose d'autre, n'est-ce pas? On va trouver quelque chose. Au plus pire, on va jouer à Ratchet & Clank 3 ou un démo de Ratchet & Clank 2, je ne sais pas. Quelque chose de genre. On vient voir. Donc, ça a coûté 10$. C'est un lien. Intéressant. Intéressant, intéressant. Voyons voir. Espèce de... Espèce de... Bon, je pense que je sais qu'est-ce que je dois juste faire. Je vais juste fermer mon PlayStation 2 et je dois le rallumer. Voyons voir. Donc c'est la bonne chose du DVD Recorder Player ou je ne sais trop quoi. C'est que je peux juste faire ça comme ça et je perds absolument aucunement de la capture. Je crois que ça va partir cependant glitcher un peu lorsque ça démarre. Ah oh, non, ça ne glitch pas. Parfait. Parfait, parfait. Où est le magazine? Est-ce qu'il est là? Oui, il n'y a pas de magazine, de manuel. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Moi, ça a fonctionné maintenant. Donc, je vais sortir ça d'ici, tiens. Mon Dieu, le logo comique. 2001, mon Dieu. ATV, Cool Border. On pourrait jouer à ce qu'il y a Cool Border aussi, je sais pas. Qu'est-ce qu'on devrait jouer? Dites-moi. Je sais pas. Cool Border, Max, d'accord. Mon Dieu, la senteur des magazines. Ça sent le nœud. Ça sent le PlayStation. On a besoin de, en tout cas, ça sent le magazine de PlayStation 2, non? Bon, c'est vieux quand même. Pas jouer à Zone of the Enders, ça peut être intéressant. Jamais joué en 4 tiers. Star Wars, Starfighter. ICO. Ah oui, c'est vrai. Hein, quoi, attends, une seconde. ICO. Ah oui, on peut jouer à ICO. Voyons voir. Ah, d'accord. Tiens, voyons voir. On va juste embarquer chez ICO vite fait. Et puis on va juste ressortir après, de suite après. Red Faction, comment c'est un bon jeu. Clone Noah 2, je ne sais pas trop ce que c'est. Soul River 2, on y a déjà joué. Gauntlet Dark Legacy, non. Ils vont faire ça pour le moment. Drakan 2, Hokage. Jam Pack. Oh mon dieu, l'équipement Gran Turismo 3, 30$, mon dieu. Intéressant. Intéressant. Donc, je crois que nous allons faire, c'est que nous allons jouer à ICO. Voyons voir. Enter a world of enchantment and wonder. Where the... D'accord. Princesse. Oui, c'est sûr, c'est vrai que c'est complètement magnifique.
Voyons voir. C'est un Ico. Jamais joué à celle-là, je crois. Peut-être que oui, probablement, j'ai joué, mais. D'accord, comment? Qu'est-ce qu'on fait? R1. Triangle. D'accord, je vois. Download. Download Station, d'accord. C'est ça. Devolt. D'accord, allons à Devolt. Bon, j'ai tout simplement redémarré le jeu. En fait, je vais tout simplement redémarrer le jeu. On pourrait dire que ben, c'est la même chose qu'il faut. Donc, je me suis coupé un peu parce que là, ça devient quand même un peu long. Donc, je viens de dire en ce moment, je suis rendu à 25 minutes d'enregistrement. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est pour vous, mais bon. Donc, on va juste passer à l'action directement. Donc, c'est-à-dire Zone of the Enders. Je pensais pas que c'était Zone of the Enders que j'allais faire. Réellement, je n'aurais jamais pensé. Mais bon. Tiens. Tiens. Zone of the Enders. Donc c'est ça. Zone of the Enders is the mech fighting game. D'accord. That transport you to the farthest reaches of the solar system. D'accord. Parfait. Allons en haut. Tiens. Bon. Je crois pas qu'on va jouer énormément beaucoup de longtemps, j'imagine. Mais bon. On va quand même y jouer. C'est pas? Voyons voir. Zone of the Enders. Il va se trouver quelque part. Ici, quelque part. Et voilà, allons-y. Parfait. Bon, c'est déjà comment jouer, donc c'est quand même quelque chose de bon. Donc, je n'aurais jamais deviné, mais c'est Zone of the Enders. Et voilà, et voilà. Ce sera le jeu que je vais avoir joué. Mon Dieu, j'avais passé de réellement de 3 jeux ou quelque chose du genre. Eh bien, au moins, j'imagine que ce sera un bon jeu, je m'amène à essayer, à découvrir. Bon, plus qu'à mettre la musique, c'est pas de Metal Gear. Je sais pas si là je l'ai pas entendu. Je m'étonnerais pas, je la mettrais au montage, n'est-ce pas? Donc c'est la même intro apparemment. Oui, parce que lorsque je faisais la BC découverte 12 complète, c'est pas si mal que ça. Je voyais tout le temps la cinématique à chaque fois que j'embarquais sur le jeu. Donc j'ai toujours enregistré la moitié de. À chaque fois que j'embarquais sur le jeu, sauf que je l'ai jamais gardé, j'ai toujours coupé. C'est quand même inintéressant de me voir loader. D'accord. Option, voyons voir option, ce qui se trouve. Ah oui, c'est rond! C'est vrai, c'est rond. Mais oui, comme dans Metal Gear Solid 2. D'accord. D'accord, et maintenant, allons ici, New Game. Voyons voir. Faisons, je sais pas, normal, tiens. Voyons voir. Ada. Oh mon Dieu, les écrans sont vraiment en basse résolution, en tout cas les écrans. Là, je veux dire, c'est l'effet de chargement. Bon, on avait déjà vu ça dans la BC Découverte 12 complète, j'imagine. Je me rappelle absolument plus ce qu'il s'agissait. Intéressant. Espèce de. Ça va être quelque chose d'intéressant à voir avec la BC Découverte 12 complète, j'imagine. Revoir la cinématique d'intro. Sur la version PS2 NTSC. En 60 FPS, normalement. Bon, ce sont des fields, mais bon, je sais pas. Mais quand même 60 images par seconde, c'est ce qui est intéressant. Plutôt que 30. Puisque si ça ne serait pas vrai, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui enregistrent maximo en 60 FPS et moi je ne peux pas? Ça c'est un peu la question, n'est-ce pas? C'est ce que je disais. À part du mode progressif que je ne savais pas. D'accord. Obligé, je me rappelais pas parce que j'avais juste. Est-ce que j'avais passé cette cinématique? Je crois que oui. Je ne suis pas certain. Je me rappelle pas si je l'avais déjà passé ou je l'avais pas passé quelques temps que j'avais commencé le jeu. Je m'en rappelle pas trop. Je peux rien dire. Ah oui, j'ai déjà vu. Tiens, passons là, tiens. Encore une. C'est
Ça m'étonnerait vraiment quand même qu'il n'y a pas eu plus de cinématiques dans le jeu. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'espace, ça m'étonnerait par contre. Ça m'étonne. Dans Zone of the Enders 2, je crois qu'ils ont pris un nouveau style, je crois. Ils ont pas juste pris un style 3D comme ça, un style 2D, je crois. D'à ce que j'ai vu, je crois. Je ne suis pas certain pour ça. Bon, toujours ces petits problèmes du personnage principal qui, on pourrait dire, qui tremble un peu, n'est-ce pas? Ah, bien, regardons ça, la nuit, je crois. Je crois que c'est la nuit. I've managed to get inside the main shaft. Don't forget, Bioware. If the target is still alive, you are to withdraw. No, eh bien. Just destroy it. Don't underestimate them, or you'll... That's what I'm looking for. L'entrelacement n'est pas si mal que ça, hein, ce DVD player. Ça a l'air beaucoup, beaucoup plus pire sur ma télévision cathodique, je dois bien dire. Peut-être parce que c'est en 480i. C'est bon. Eh bien, c'est bien, c'est le G-Outi. Ada. Donc là, juste... d'accord. Bon, on dirait le Metal Yuri, juste comme ça, regardez. On dirait qu'il va embarquer dans le Metal Yuri. Il va dire... Snake! Et que Snake va dire... Liquid! Quelque chose de genre, n'est-ce pas? Eh bien, on va tout simplement rentrer dans le jeu aussi. Donc oui, je l'ai bien vu. Je me rappelle maintenant. Mais ça m'intéressait de le revoir. Devrais-je passer ou on est déjà rendu pas mal vers la fin? Je vais... Triangle. Carré rond. Pause. Pause. Bon, j'ai juste passé. Tiens. Alors, c'est ce que ça a l'air en temps réel. Donc j'imagine que c'est en temps réel. J'aime bien le 16/9. On est d'accord, c'est un 16/9 qu'on a mis au lieu sur le 2. Donc l'image est un peu plus haute qu'à la normale. D'accord. Je m'en rappelle pas s'il y avait ça dans la HD Collection. Faut que je vérifie. Ah, regardons ça, c'est le Raptor! Mon dieu, les contrôles, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec les contrôles? Est-ce qu'ils sont bons? R2, L1... D'accord, R1. D'accord, X triangle, d'accord. Est-ce que les contrôles sont différents? Je pense pas. R2, est-ce que c'est R2? Non, c'est pas R2, c'est carré. D'accord, c'est rond. Ah oui, je crois que tout ce qui est 16/9 a été gardé, je veux dire. Ils ont enlevé les barres noires. D'accord, moi je suis avancé, tiens. Ada. Merci, Ada. D'accord. En même temps, tiens. Pendant qu'on est là, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? End training? Ah, d'accord. Bon. Voyons voir. D'accord, c'est l'entraînement que je n'avais pas vu. Mon dieu. J'ai fait des BCS sans avoir fait ça. Je suis quand même à dire. Mon dieu, Metal Gear Solid 2, regardez. Lorsqu'on est dans l'Arsenal Gear. Oh, mon dieu. C'est peut-être une référence qu'ils ont fait. Je pense que c'est peut-être juste un style de vidéo que je m'en... Bon, faisons juste quitter, tiens. Faisons juste faire, tiens, ça, ici. End training. Je vais appuyer sur rond, je l'ai complètement oublié. Donc, apparemment, l'entraînement n'était pas si important que ça. Parfait. Voyons voir. Qu'est-ce que je vais récupérer ici? Metatron. Bon, c'est sûr que la décoration est beaucoup plus haut, mais bon, on est assez intéressant à voir. Mon dieu, on n'avait jamais vu ça avant. Probablement parce que c'est au début du jeu. Intéressant, intéressant. Voyons voir. Il y a des espèces d'ennemis. Et voilà. T.U. va mourir. D'accord, voyons voir. Donc la caméra... ne peut pas se faire tourner.
À part c'est parce que je suis en combat. Donc je vais juste vérifier vite fait. Apparemment, je ne peux pas la tourner pour faire pas tourner pour le moment. Et voilà, voilà. Donc tout ce temps-là, c'était pour faire un baiser de mots sur Zone of the Enders. C'est quand même assez intéressant. Donc, c'est ce que ça a l'air en 4 tiers. Intéressant. D'accord, donc c'est la nuit. Ah, je m'en rappelais pas. On se bat donc contre la nuit. Contre la nuit? Mais oui. Oh mon dieu. Je n'ai pas d'armes à ce que je vois. D'accord, passons ça pour moi. Hein. D'accord, ça, intéressant. On va voir. Ok, d'accord, je suis sur pause, ça ne fait rien. Ah oui, parce que je dois obtenir ça en premier de ce que je me suis, n'est-ce pas? Voyons voir. D'accord, c'est un moniteur. D'accord, parfait. Ah, j'ai dit end training, j'ai dit. Merci. Bon, voyons voir maintenant. Ada. Le texte d'Ada est différent. Bon, voyons voir. D'accord. Parce que la caméra se bouge très tranquillement, mais ça se bouge, d'accord, parfait. Programme. Ah oui, c'est vrai, j'appuie sur rond. D'accord, il n'y a rien ici. Mission. Oui, c'est en anglais, c'est vrai. J'avais combien oublié, c'est en anglais. C'est pas en français. Lorsque je me souviens, le jeu normalement est en français, non? Peut-être pas les menus. Le hot, mais bon. Pas bien. Ah, c'est intéressant quand même. Je viens de dire. Je sais pas si j'aurai le temps de terminer le démo. Peut-être que je vais peut-être pas le terminer. Peut-être que je vais attendre un peu plus tard. Quelque chose du genre. Peut-être que ça ne se finit pas non plus, tu sais pas. On ne sait pas. Imagine. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah. Eh bien, espèce de... J'ai appuyé sur pause, j'avais quelque chose à faire, mais bon. Espèce de... Vraiment, ça allait terminer le démo. Bon, en tout cas, donc j'imagine que c'est ça pour ce BC démo, j'imagine. Donc, assez intéressant de voir Zone of the Enders. Bon, c'était pas planifié de jouer à Zone of the Enders, mais bon, n'est-ce pas? Donc, avec tout ce temps, j'aurais aimé faire un autre BCS démo, mais bon. Il n'y a pas de temps pour aujourd'hui, j'imagine. Pour le dernier. Le dernier va être assez intéressant. Je viens de dire. Un de mes jeux favoris. Je viens de dire un démo sur mon quatrième jeu favori tous les temps. Ça va être assez intéressant. Donc, on va donc se laisser ici pour ce BCS démo. Cet avant-dernier BCS démo. Et on se revoit pour le dernier BCS démo. Donc, ou une autre vidéo, ou la suite de BCS Solus, ou BCS Test, ou quelque chose de genre. Donc, au revoir!